Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, c'est l'heure. Il y a 2 ans exactement, on avait fait une vidéo toi et moi où on avait été... On n'a pas fait ça l'année dernière ? Non. Pourquoi ? Bon, je sais pas. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on va redécorer toute la maison version Noël. Tout. Je peux exprimer ma créativité. Attends, et moi j'ai 500 Pinterest avec plein de trucs de Noël. T'inquiète, je vais te faire une maison. On va refaire tout le salon quoi. Ça va être chouette. Chouette, super. On va aller acheter des décorations de Noël. Les sapins, ça va être la première étape. Et ensuite, on revient à la maison et on décore tout. On met des guirlandes par-ci, des guirlandes par-là, des lumières par-là, des dippers. Je sais plus parler. Let's go. Merde. Tu t'es pris ma bougie sapin dans le cul? Non, dans la jambe. Rien à voir. Très important, cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Et pour l'instant, c'est pas le sujet, on en parlera bien plus tard. Là, pour le moment, on va acheter tout ce qu'il nous faut pour redécorer cette maison. Moi, je suis une grande fan de Noël. On est content, Emma. On est content. On vient d'arriver et regardez ce que je vois là. Une jolie petite maison en plein d'épices à 35 euros. Ça t'intéresse? Moi, je trouve ça sublime. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Emma, on dirait les boules qu'on fait sur Vistaprint. On a mis une photo. Qui met ça dans son sapin? Je vais péter un plomb. En vrai, ça, je trouve un peu stylé, mais quel est son prix? Ça, c'est stylé, ça. En bas du sapin, comme ça, en mode... C'est par là. Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Je te vois, hein. Chris, est-ce que tu veux qu'on achète ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est hideux. Oh mais que vois-je, une magnifique petite tasse. Non, ah si, elle est pour moi. Arrête, ah si, elle est pour moi. Non, on n'a pas celle renard. Allez hop, tu viens avec moi. Oh regarde, des super verres de Noël. T'en penses quoi? Non. D'accord. Ok, du coup on a Jiffy, mais je suis trop déçu. Y a rien. Il y a 2 ans, il y avait des espèces de pingouins lumineux et tout. Il y avait plein de trucs stylés. Bon, cherchons un pingouin lumineux. Ah, je crois que c'est là-bas. Attends, je regarde ce qu'il y a là, mais... Non mais qui met ça? Qui met ça même? Oh mais regarde Emma, un radiateur de Noël. Mais il y a que ça. Emma, la bougie, elle est trop moche. C'est trop grave. C'est lui que je voulais. Bon, là du coup on est à Carrefour, on va aller acheter un petit sapin de Noël. Il y a Chris qui est derrière qui va pas tarder à arriver. Et on a trouvé un sapin les gars, il est incroyable, vous allez kiffer. Il est grand et il nous a coûté genre 30 balles. Enfin franchement il est trop beau. Du coup ce qu'on va faire là c'est que je vais prendre le sapin, je vais le porter comme ça et on va le mettre dans la voiture. Ça va être une épreuve les gars de le mettre dans la voiture. Non en vrai ça va aller, j'ai confiance. Allez bon courage monsieur. Au revoir. Regardez-le galérer là. Hein? Rien. J'ai rien dit. Quel homme. Ah là là, même pas besoin d'un Thibaut InShape, juste besoin d'un Chris. Allez. Ça va y rentrer, t'inquiète, ça va rentrer tout seul. Pas cette sensation. T'inquiète, Cricri. Et bah voilà, c'est presque rentré. Ok, c'est bon. On a gagné, on est trop fort, Chris. Let's go. Écoutez, on a le sapin dans la caisse. Maintenant direction... Dans la caisse. Direction la caisse bas pour aménager la maison. Y'a rien qui va, Emma. C'est une expression de mamif, y'a un problème. Oh mais c'est de pire en plus. Bon bref, on se retrouve à la maison pour décorer toute la maison. Ça va être incroyable, ça va être la meilleure partie. En fait, je crois qu'on ment depuis le début. Bah depuis le début on dit toute la maison, mais vraiment ça va être le coin du salon. Mesdames, messieurs, ça y est, le sapin est en place. On va pouvoir attaquer la décoration. Vous allez pouvoir voir à quel point je suis créatif, à quel point je suis un artiste dans l'âme de la décoration. Vous m'avez vu faire de la peinture, vous m'avez vu faire de la poterie. Mesdames et messieurs, il est temps que Chris vous présente ses talents de décorateur. Mais avant tout ça, il faudrait peut-être que vous appreniez à connaître le background, l'histoire de ce décorateur Chris. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Bienvenue dans l'émission Artiste un jour, artiste toujours. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un artiste aux multiples facettes, de la peinture à la sculpture et encore plein d'autres spécialités. Oui, nous allons à la rencontre de Chris, l'artiste. Alors, bonjour Chris, content que vous ayez accepté notre invitation. Eh bien écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir chez moi, voilà. Alors, parlez-nous de vous, comment en êtes-vous arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? C'est très simple, c'est très simple. Tout a commencé pendant mon adolescence. J'aidais énormément mes parents à la ferme, que ce soit avec le fumier, pour porter les pneus, ou encore tout simplement... pour chasser. Et un jour, après avoir amassé du fumier pendant toute la journée, je me suis assis par terre et j'ai commencé à dessiner dans la terre. Sans me rendre compte de ce que je faisais avec mes doigts, et d'un coup je me suis rendu compte que
que je faisais était beau. Alors ni une ni deux, j'ai enfilé ma tunique familiale, j'ai mis mes gants, j'ai replacé correctement mon béret et j'ai suivi mon instinct. Je suis parti à l'aventure, seul, moi, mon art, contre le monde. Et j'ai créé ma boutique grâce à Odoo. Odoo ? Oui, c'est ça. Odoo ? Oui, c'est ça. Odoo. Oui, mais c'est quoi Odoo ? Attendez, vous connaissez pas Odoo ? Oh la honte ! Oh la honte ! Oh le gros naze ! Attendez, laissez-moi vous expliquer. Odoo est tout simplement un logiciel de gestion d'entreprise qui offre un éventail d'applications. Et ça, pour toutes sortes d'entrepreneurs, d'accord ? Pour ma part, c'est ce qui m'a permis de faire mon site web. J'ai énormément d'activités dans l'art. Et grâce à Odoo, j'ai pu vendre mes œuvres directement via ma boutique. Mais attendez, c'est super intéressant tout ça. Ça doit coûter super cher, non ? Non, mais non ! Pas du tout ! La première application sur Odoo est gratuite et Odoo devient payant à partir de deux applications distinctes, que ce soit la comptabilité ou autre. T'as même le nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Ça coûte seulement 20€ par mois pour avoir l'entièreté des applications disponibles. Waouh ! Je sais. C'est souvent ce que disent les gens quand je leur dis tout ça. Et au niveau du codage, ça va ? Enfin, je veux dire, c'est pas trop galère ? Mais non, mais pas du tout ! Moi, je suis une brêle au code. Et pourtant, y a rien de plus simple. Tiens, donne-moi ton Mac, je vais te montrer, regarde. En fait, t'as un support de drag and drop. Tu prends là, ici, avec ta souris, et tu fais glisser sur ton site. Et du coup, vous avez un talent fou pour la décoration d'intérieur. Et là, vous vous attaquez à Noël. Exact. En fait, pour être tout à fait honnête, on a décoré plus de 150 sapins et 150 maisons en seulement 5 jours. Ce qui est, entre nous, un record mondial, d'accord ? Là, je te présente mon espèce d'entrepôt. C'est mon jardin. C'est là où je me sens le plus libre, le plus créatif, le plus aspiré. Et donc, voilà, c'est ici que je fais tout ça, quoi. Oh. Mais attendez. C'est pas par là. Viens, on va plutôt aller par là-bas, hein. C'est mieux. Allez. Mais vous faites pas du tout la décoration vous-même ? Mais si, ça n'a rien à voir, C'est juste une amie qui a voulu s'entraîner avec moi. Je la forme un peu dans la décoration. Bref, venez, on va par là, ça sera plus simple. Du coup, profitez de cette occasion en or pour aller sur le site de Odoo, avec le lien dans la description. Et allez jeter un coup d'œil au site de Chrisso, également dans la description. On commence par quoi, mon ami ? Je vais montrer ce qu'on a acheté d'abord. Alors, on a acheté du coup le pingouin qu'on vous a montré tout à l'heure et le petit ourson, qui est pas celui que tu voulais, mais il est plus joli. On a pris un petit renne que j'ai surnommé sobrement Triceratops. Moi, j'ai acheté le même et je l'ai appelé Céleste. On a... Waouh ! Ma bougie Noël ! Emma voulait une bougie. Pourquoi l'allumer au moins ? Non, c'est pour le soir de Noël. Je vous explique, parce que en plus de faire le sapin, en plus de décorer le salon, je vais vous montrer approximativement la table que je vais dresser pour Noël. J'ai acheté des trucs pour la décoration du soir de Noël, pour la table, parce que on fête Noël avec ma maman et avec ma grande sœur. Ça, c'est un vase. Je te rappelle que t'as dit qu'il était dégueulasse. On dirait une urne avec les cendres. Alors ça, c'est une bougie pour moi. Regardez. Oh, arrête ! Je l'ai acheté pour le salon, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est belle. Une tasse renard, ça fait chaque année, on prend une tasse renard, j'en peux plus. Hein. Non, j'ai la pingouin. Elle est où ? Elle est cassée, Emma. Oh, mais elle est où ? Elle est à la poubelle. Oh, t'as jeté ma tasse pingouin ? Chat avait cassé ta tasse dans la salle de bain, rappelle-toi. Et tu l'avais jetée ? Elle était en morceaux. Mais demain, retourne, on va racheter ma tasse pingouin. Non, mais je rigole même pas avec toi. Continue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, Chris ? Ça n'a rien à faire ici. C'est moi qui ai payé ça, là ? Non. T'as mis ça dans mon truc pendant que j'avais le dos tourné ? C'est un truc pour faire des pâtes. Tu t'es voilé avec la tasse, chérie. Et en fait, ici, vous avez un petit pain d'épices. Et du coup, tada ! Trop mimi. Et donc, tu as profité de moi et de mon égard. Mais ça, j'ai pas acheté ça. Mais c'est... Attends, mais c'est quoi tout ça, là ? C'est un sambon Noël. Ça sent Noël, genre. Oui. Comment ça s'ouvre ? Ça s'ouvre pas ! Arrête, t'es en train de tout casser ! Mais il faut sentir, Emma. Et pour sentir, faut ouvrir. C'est con, hein. En fait, ça sent le chocolat. Je vais me permettre de sentir le chocolat ? Je sais, mais parce que c'est pas censé se sentir comme ça, Chris. Ça sent le café, c'est tout. Ils t'ont bien baisé la gueule. Que... Ensuite, on a une autre bougie. Joyeux Noël. Faut que je vous montre un truc parce que bon, quitte à acheter une bougie, autant qu'on rigole. Je vous la montre. Dans les commentaires, vous me dites à quoi ça vous fait penser, d'accord ? Donc voici le biscuit dans la bougie avec l'étincelle de la bougie, quoi. La ficelle, quoi. Voilà. Ensuite ! Oui ! Non ! Ça suffit les bougies, Emma ! J'ai acheté des chandeliers ! Sinon, là. Donc là, c'est des boules, hein.
Tu es le pire mec, pas expliqué. J'ai pris un panneau au cas où qu'on perd le sapin. Et du coup ici on a d'autres boules. Et je pense qu'il faut que je vous montre le meilleur pour la fin. Esteban, le biscuit. Esteban, le biscuit a une particularité très sympa. C'est qu'en gros, il peut grandir. Ça le rend un peu stupide, mais c'est rigolo. Un petit Père Noël. Mais je le trouve très drôle aussi. Il a aussi ses jambes. Bah écoutez, attaquons bah la déco finalement. Let's go. Parce que là, il y a du travail là. Du coup, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer. Si vous voulez voir des photos, des vidéos de nos créations, allez sur le site de Christo et vous verrez à quel point on fait des merveilles. On va faire des merveilles aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est parti. Donc, bah écoute, on peut attaquer. On commence par quoi au niveau déco là? Je pense que c'est les guirlandes, non? Du coup, comme on vous l'a dit, on est parti sur un thème doré, rouge et blanc. Hein? Doré, rouge et blanc. Doré, rouge et blanc, mais plus doré, rouge quoi. Avec des touches de blanc. Des petites touches de blanc, mais plus doré rouge, quoi. Avec des touches de blanc. Du coup, bah c'est très simple. T'en penses quoi? En Christ, non. Déjà, je vais aller chercher mes boules de l'année dernière. Mais là, on fait les guirlandes. On s'en fout de tes boules. Ça commence mal, cette histoire. Alors, est-ce que tu connais la technique? Oui. Moi? Quoi, non? On commence toujours par le bas et on finit par le haut. Oh non, mais c'est n'importe comment. Faut faire en arc comme ça. Moi, je fais hop. Non. Hop. Non, on va pas faire ça. Non. Pourquoi? Bah, elle a zéro goût, hein. On va mettre comme ça, du coup. Hop. Non, attends, on va mettre une rouge. Ah, on met pas que des dorés? Non. Pour faire un vrai sapin de Noël. Moi, je comptais mettre des dorés seulement. Non. Non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui fais un string là? C'est dommage, ça partait bien. Non! Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'aimes pas? Mais non! J'ai fait un nœud, hein. Oh, on a oublié les guirlandes lumineuses d'abord. Attends, je crois que je suis nul. Je crois que j'ai raté Emma de ce côté. Voilà, là je vais reprendre là. Mais est-ce que tu penses que je suis nul là? Non, Chris. T'as fait un nœud à la première seconde. Mais non, tu m'as dit de faire le tour, j'ai fait le tour. T'es sûr que tu veux pas de mon aide? Non, t'inquiète, chérie. Ah, j'ai encore du lâche là, en fait. J'avais pas vu. Je comprends pas. Je comprends pas là. Mais j'aurais pas fait comme ça moi. D'accord, Chris. Passons aux boules. Mais on n'a pas encore fini. Hop là. Alors. Alors, on commence pareil. On commence par le bas. Oh non. Et on finit par en haut. Et on va. Non, attends, je vais d'abord chercher mes jolies boules avant qu'on mette les. Bah, elles sont jolies là. Regardez cette magnifique boule. Elle est pas sublime? Dites-le dans les commentaires qu'elle est sublime. Emma, elles disent qu'elle est moche. Allez hop, c'est parti. Le baptême, tu fais la première. Hop là. Et voilà. Oh, ah ouais, sublime avec la petite guirlande dorée qui est là. Le rouge ressort à la perfection. Hop. Oh là là. Oh, c'est sublime. C'est sublime. C'est sublime. Je vous rappelle que sur le site de Christo, le décorateur d'intérieur, vous pourrez retrouver des photos de toutes ces décorations, etc. Il y a un vrai site qui vous montre un peu ce qu'on a utilisé, les références, etc. Faites-vous plaisir si vous voulez acheter des petites décos de Noël et tout pour Noël. Et bien justement, c'est le moment. Je vous présente THE boule de Noël. Ça, c'est de la boule. Ça, c'est beau. Oh non. Quoi? Emma, tu sais, t'es comme ma mère. C'est-à-dire que ma mère, quand, chaque fois que je faisais le sapin avec elle quand j'étais petit, elle me laissait mettre. Elle me disait, tu veux pas aller manger un petit truc? J'allais manger, je revenais, elle avait tout changé. Bah oui, Chris. Bah non. Déjà, Chris, elle va tomber, elle. Tu fais pas attention. Mais là, t'es désobligeante. Commence avec celle-là. Elles sont trop moches. Mais d'abord, on met les basiques et ensuite... Non, mais viens, on met que des belles. Bah, j'aime pas celle que t'as acheté. Quoi? Je les aime pas celles que t'as achetées. Quoi? J'aime pas celles que t'as achetées. J'entends pas ce que tu dis là. Je les trouve pas jolies, voilà. Elles sont plus belles que ça, Emma. Oui. Emma, alors on va mettre celle-là. Parce que c'est notre sapin. Oui. Emma, ce sapin, c'est avant tout une thérapie de couple. C'est des efforts pour l'un. Et beaucoup d'efforts pour l'autre. C'est-à-dire? Là, il est moche notre sapin. Arrête! Bah, je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est pas encore allumé. Non, c'est les boules. Je les trouve. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière encore. Après là on se fait chier, hein. On se fait chier pour faire un sapin. Ça ne sert à rien parce que on va lâcher les chats après. Et les chats vont tout bonnement aller dans le sapin, faire tomber le sapin, il va tomber sur la télé, qui elle va tomber par terre. Et ce jour-là, on aura perdu énormément d'argent. Écoutez, on va pouvoir en mettre les dernières touches, c'est-à-dire les petits trucs à mettre en bas du sapin. Et après, on aura plus ou moins fini le sapin, je suis content. Du coup, je vous rappelle qu'on a le petit bonhomme en pain d'épices. Donc oui, je propose qu'on fasse ça en mode sapin là. Le bonhomme en pain d'épices, je sais pas trop où on peut le mettre. Comme as. Et Triceratops. Est-ce qu'on éteint tout quand on l'allume? Ouais. Et voilà. Pourquoi ça clignote? Ah, là d'accord. C'est joli. Christmas has found.
Alors du coup, mesdames et messieurs, Emma et moi avons fini de faire la décoration. Bon, c'est plus Emma, je l'avoue, que moi. Elle s'est chauffée de fou, comme vous pouvez le voir ici, le côté cuisine où justement, du coup, il y a la table là où on mangera certainement le 24. Elle a fait toute cette décoration juste pour vous, hein, parce que vraiment, dans 20 minutes, on range tout. Hein. Donc cette magnifique table avec son Père Noël qui est, il est incroyable ce Père Noël, ainsi que toute cette petite décoration. Regardez quand il penche ce sapin, les petites bougies dont elle était très contente, et évidemment mon gigapote qui est ici, mais qui sera dans le studio au final. Si vous venez sur les lives tout au long du mois de décembre, bah, vous verrez ce petit bonhomme dans mon studio. Ce meuble là, il était à la place du sapin tout à l'heure, mais du coup on l'a calé. Je préfère ici. Salut les potes, je préfère ici. D'accord. Et je vois qu'elle a calé un peu toutes les décos pas ouf qu'on a utilisé. Enfin avec tout. Oh là. Non mais par exemple le petit bonhomme là, on lui a trouvé une place au final. Ça c'est le sambon, le fameux sambon. Ça sent bon. Du coup ici il y a le magnifique sapin avec du coup comme on vous a montré tout à l'heure, le bonhomme en pain d'épice qui fait 3,50 m, le petit ourson qui fait de la lumière. Là on a Triceratops. Ensuite elle a mis une petite guirlande rouge. Mais ça va pas. Regardez, ça commence. Ça commence. Là, on vous montre tout beau, mais dans deux jours, il n'y a plus rien. Oh, il met des coups de pression. Je suis mort. Bref, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous êtes fans de Noël. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément fans de Noël ou c'est une période pas forcément très simple et tout. Eh bien, la transition est horrible, mais en vrai, c'est cool. Je vais me permettre de faire la pub pour mon Discord parce que mes modos ont organisé pour tout le mois de décembre des activités. Il y en a pas une par jour, mais il y en a vraiment énormément. Donc, si vous êtes tout seul, que vous vous sentez un peu à l'écart, que vous avez peu d'amis ou j'en sais rien, et que voilà, vous, tout simplement, vous vous sentez seul ou vous aimez pas Noël et tout, et que vous voulez faire des activités cool, rencontrer des nouvelles personnes, etc., et bien allez sur mon Discord, le lien est dans la description. Il y a plein de jeux, il y a des jeux en rapport avec Noël, mais pas que. Par exemple, je sais que les modos ont organisé des logos comme on faisait avec Maxime, et vous jouez entre vous et tout, et du coup ça peut être grave cool. Ça vous peut aussi permettre peut-être de passer un mois de décembre un peu moins chiant, un peu moins désagréable, en étant avec d'autres gens comme vous, ou qui ont en tout cas pas forcément cette magie de Noël, mais qui ont envie de passer du temps avec d'autres gens. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Peut-être que je passerai de temps en temps faire des petits jeux avec vous et tout, donc n'hésitez pas. Je remercie évidemment Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est un plaisir, merci beaucoup Odoo. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à les checker. Et bah écoutez, je crois que je vous fais des bisous. Soyez au rendez-vous dimanche prochain 18h, enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, et moi je vous fais des bisous, et on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Moi je reviendrai jamais. Salut. Pas d'ambiance.